On a au niveau national ce qu'on peut appeler un bouleversement complet, un tsunami. Et le premier constat que je peux faire, c'est qu'ici, on a une forte résistance. Je crois que pour l'essentiel, c'est dû au travail que nous avons fait sur cette circonscription, plus près des habitants. Et on a aujourd'hui cette reconnaissance. Donc nous ne sommes pas balayés, bien au contraire, tout en ayant conscience que le second tour exigera une très forte mobilisation, en particulier en faisant appel à tous les abstentionnistes.